Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Hop là. Ah, il y a des dégâts de chute ici, non? Non? Non, il n'y a pas de, pas de dégâts de chute parce qu'il n'y a pas de chute possible. Heureusement qu'on est tombé dessus. Allez, ça tu sautes, mon grand. Oh putain. Tous ces personnages qui ont peur pour leur rotule. Ça dégoûte. Pleine de vidugruse. Vidugruse. Viens. Oh, viens. Tu es prête? Oh non, les ennemis, c'est bon, hein. C'est quoi ça? Oh non, non, c'est bon, pas les ogres. Oh là là, eh oh, c'est bon. Ouais, mais parfois, les morts, c'est vivant. C'est vrai! Ça y est, nous approchons de Steinir, Joshua. Eh gros, ça y est. Imaginez ce qu'on va y trouver. Hop, le loot! Bim! Même pas repéré par les ennemis. Oh. Oh oh. Attention. Ouais, bah là. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Bah, pas grand chose, mon ref, hein, apparemment. Hop là! Okuto no Ken! Il va me cancel, voilà. Oh, c'est terrible! Il me cancel encore! Arrête! Voilà! Tout ça pour un truc pas si fort finalement. Je me dis. Coucou Belserion, comment ça va? La pleine pleine de mobs pour farmer un max, exactement, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je prends un peu le farm quand même, parce que je sais qu'on se dirige vers un combat... Un combat sympa, normalement. Vu... Vu... La gueule du combat de... De Barnabas... Je me dis que... On n'est pas à l'abri d'un énorme combat. Enfin, c'est sûr, hein, on va avoir un énorme combat contre Ultima, je pense. Oh là 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 là. Cette attaque, vraiment. On va attaquer tous les molosses là? Allez, let's go. C'est y part. Allez, venez tous avec moi là. Voilà. Let's go. J'ai trouvé Bahamut le plus fort à mon goût. Ah ouais? Ah, moi j'ai trouvé que c'était Barnabas pour le coup. Bahamut était très cool, hein, attention. Hein. Mais en termes de force, ouais, j'ai trouvé que Barnabas l'était plus, ouais. Bah après, ça dépend de ta manière de jouer, j'imagine. Hein. Monte le son. Le calme avant la tempête. Ouais. Steinir est au bout de ce pont. Si on veut y entrer, c'est par la grande porte. Pardon, je disparais. Disparais. À l'intérieur, ça doit grouiller d'éthérique, ça ne va pas être simple. Le jeu me dit... Tu es vraiment prêt. Si tu veux aller acheter des potions, c'est maintenant. J'attends ce moment depuis longtemps. Oh, Joshua. Ah, en pouvoir, tu parlais, Grishim. Ah, oui. Oui, c'est vrai qu'ils sont... Il est balèze. Bahamut, ouais. Ah. Ok. Ok, ok, ouais. Je vais aller à la base. Si le jeu me permet d'y aller. M'acheter ce qu'il me faut de potions, voir si je peux améliorer, je peux très certainement améliorer mon épée. Parce que je crois que l'histoire principale ne m'y ramènera pas de base, donc je prends la liberté d'y aller sans que l'histoire m'y ramène. Ce qui n'est pas très RP, je suis désolée. Mais je pense que là, l'histoire ne me ramènera plus à la base avant, avant la fin. Bonjour Clive. Salut, Caron. Admirez un peu mes articles. Ouais, sublime.
sublime. Ouais, ouais, genre trop bien. Potion. J'en veux une. Excellent choix. Super potion aussi. Voilà pour vous. Je vais prendre deux selles de défense. J'en ai utilisé, j'avoue, contre Jackie. Soyez prudent. Oui. C'est reparti pour un tour. La forge. C'est pourquoi ? C'est mon feu. Je vais acheter ça, hein. Obscurissime. On prendra soin, hein. Équipement modifié, merci. Moins 23 de vie, plus 78 de défense. Nope. Nope. Renforcé, du coup. Tu peux pas me renforcer des petits trucs, là ? Ah, il manque des météorites et la lame runique, du coup, ouais. Ok, ok, bah c'est... That's it. That's it, baby. Ok. Et là, maintenant, on y va. C'est vraiment juste parce que j'ai peur que le jeu ne m'y ramène plus jamais à la base. Enfin, ne m'y ramène plus jamais. Peut-être qu'on ira entre Ishindrak et Ultima, hein, je sais pas. Hein. Je disparais. Disparais. Elle vend des vérandas rideaux, elle aussi. Pourquoi ça te fait penser à quoi, Overclockman? J'ai pas la rêve de la marque, je pense. Mais que s'est-il passé ici? Je n'en ai aucune idée. Un coup du sort en notre faveur. Chantal. Pourvu que ce soit ça. J'espère aussi. Ok. La capitale abandonnée. J'arrête. C'était trop tentant. Ah, Chantal là-dessous, elle a pas fait des pubs pour les vérandas? Oh! J'en ai aucune idée. Ah, peut-être. Ce serait drôle. Si, ah bah voilà. Je savais pas du tout. Terre les a tous pervertis. Ah, attendez, ref. Ne pas traîner ici. Je vous arrête tout de suite. Voilà, là on cause maintenant. J'ai pas votre temps, moi. Mets des voiles à ton voilier. Voilà. Ça va, Joshua? Je t'aime si fort, Joshua. La musique est trop bien. Les vérandas et les Vélux, non? Ah, peut-être. Moi, je savais pas du tout. Y'a pas une quête où je peux rallumer la flamme? Et ça me fait apparaître un coffre? Nope, Faror, ce n'est pas Zeldo. La reine des vérandas. C'est un Korogu, ça. 100% un Korogu. Mon ATH a disparu. Ça me trigger, hein. C'est la flamme des JO. Ça me trigger, hein. D'ailleurs, ta chariote, là. Un petit coffre. Oh, j'aurais tellement mis un coffre ici, moi. Je mange un bonbon pastèque.
Un petit fruit du feu là-dedans, là. Ah! Behemoth? C'est un Behemoth. Bah oui. Comment ont-ils pu dompter une bête pareille? Dompter, Bon, Behemoth, créature mythique, hein, toujours de Final Fantasy. Attends. Oh, Phoenix. Ouais, fondu au noir. C'est parce qu'on, à mon avis, on va bien chouiner après, ouais. Il arrive. Bon, bah. L'avantage, c'est que dans les FF, on réussit toujours à les battre. Alors, nous n'avons pas le choix. Bah ouais, moi. Mais ça, c'est l'avantage. Le problème, c'est qu'ils sont toujours très durs à battre. Voilà. Moi, Behemoth, c'est... Dans Crisis Core, dans... Dans... Oh putain, ok. Même dans FF... 14, hein, il demande des strats pas mal, hein, Behemoth, il est... Sa particularité, c'est... ouais, les météorites, quoi. Point fort, détruit. Et non. Point faible... En fait, je ne sais pas. Aïe. C'est terminé. Terminado. Yes, il est déstabilisé, j'ai plus aucun pouvoir de près. Là. Si, si. Odin, 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 c'est bien. Non, 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 vilain garçon, je prends le feu. Voilà. Son attaque météorite, hein, bien sûr, un grand classique. Le rend super puissant. Vas-y, là tu le fais, là tu le fais. Vas-y! Oui! Voilà, ça c'est Behemoth. Coucou Nienna, comment ça va? Derrière moi, je vais créer une barrière. Ah putain, heureusement que t'es là Joshua. Sinon ce serait juste la fin de l'aventure en fait. Heureusement. Joshua. Non, mais tranquille. Je m'en charge. Clive, non! Ne t'en fais pas. Ah bah, on va. Je suis ton gardien, après tout. Va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Carré, carré, carré. Oui! Joshua, on va pas juste se faire écrabouiller par une météorite quand même. On peut pas finir comme ça. C'est comme ça que les dinos sont morts, ouais, à cause de... Je crois que je dois me transformer en ifrite. Je te rappelle que je suis encore là, Clive. Mais non, mais Joshua, t'es un peu mal en point, hein. Oh, ils sont beaux. Attendez, on casse. Quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés. Oh, Joshua. Ah merde, je vais faire carrière, blablabla. C'est bon. Aucune panique.
J'étais en train de manger un bonbon, on fait le verre carré. Je mangeais des bonbons. On s'en tire pas mal. Ouais, mais c'était juste le début. Oh, Joshua, arrête. Merci. Il a pas le temps de faire son attaque. Non. Si, le temps, le temps. Oh, merci Cassia. Merci beaucoup Cassia pour le raid. Merci à toi. Bienvenue tout le monde. Bienvenue les viewers de Cassia. J'espère que vous avez passé un bon live. Vous arrivez comme d'habitude, hein. Sur un combat épique. Nous nous battons actuellement contre Behemoth. Attention, c'est la fin du jeu. Ne vous spoilez pas, bien sûr. Bienvenue tout le monde, merci beaucoup. Je vous regarde juste après. Je tue Behemoth. Et je vous rattrape. Merci beaucoup, Kessia. Ça va. Merci beaucoup, Yann. Je te remercie dans un instant. J'adore prendre des météorites dans le cul. Voilà, vous pouvez clipper. C'est dit. Oh, vas-y. Merci beaucoup, Yann, pour les 5 euros. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue, tout le monde. Faites attention à vous. On est vraiment sur la fin de... FF16. On est sur la dernière session en tout cas. Fini ou pas, c'est la dernière session. Non, je rigole. Non, c'est surtout que quoi qu'il arrive, on finit ce soir. Qu'importe l'heure de fin de ce live, nous terminons ce soir. Donc attention à vous si vous voulez pas voir la fin, ce que je pourrais comprendre. Attention à vous, bien sûr. Là, on entre dans des phases où... En termes d'histoire, il y a des dénouements, quoi. Coucou Momo Twitch, comment ça va? Bonjour. Et j'espère que ton live s'est bien passé, en tout cas. Désolé, à chaque fois que vous arrivez sur FF16, c'est toujours des énormes... beaux gosses et boss. Alors, c'est pas tant terminé que ça, Clive, en vrai. Aide-moi, Tangor. Qu'est-ce que je me suis pris dans la gueule pour que ça m'enlève toute ma vie? Non, non, arrête de dire trop facile, frérot. J'ai dû utiliser une super potion pour pas que tu meurs. Arrête de dire trop facile. Oh là, merde. Elles me font mal, hein, ces météorites de merde. Il y a un truc que j'ai pas esquivé qui était... C'était très puissant, je crois. Ça m'a retiré toute ma vie d'un coup. Hi ! Ah ! Le cul de Behemoth ! Excusez-moi, je suis un peu focus. On arrive sur des phases de gameplay là qui sont un peu exigeantes. Oh non, il réappelle sa météorite. Oh, recule ! Ok, ok, c'est peut-être ça que je me suis pris tout à l'heure. Ah ! Chez ! Oh. J'avais pas vu qu'il était sur la fin. Oui, c'est pas le truc que tu veux refaire à zéro, effectivement.
Coucou Isundil aussi, comment ça va? Merci pour les GG les copains, merci. Je me mets des applaudissements, allez. Allez, let's go. Alors c'est bien l'effet 3V bâton. Il est trop bien. Moi je l'adore, je le trouve exceptionnel. Il y a tout ce que j'aime dedans. Donc oui, je le trouve très 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 bien. Merci beaucoup pour les GG, merci. Ah, sur Palia, let's go. Et bon appétit, Cassiop. Bon appétit à toi. J'espère que ça s'est bien passé. Oui, c'est bien chill apparemment, Palia. Oui, Palia. J'en entends que du bien de ce jeu, en tout cas. Normalement, l'entrée du sanctuaire devrait se trouver au pied du cristal. Attendez, je disparais. Nous y sommes presque. Oh, Joshua, j'aime quand tu m'annonces des choses comme ça. Pour ceux qui se demandent où on en est, on a battu Odin. Et merci Renard de Chan, 19 mois de sub. Merci Renard de Chan, merci beaucoup pour les 19 mois de soutien, merci à toi. Merci beaucoup, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui se demandent où on en est, ouais le jeu est magnifique hein. Pour ceux qui se demandent où on en est, on a vaincu Odin. À l'instant, le dernier émissaire dont on n'avait pas les pouvoirs encore. Du coup, nous sommes un réceptacle complet pour Ultima. Et nous allons donc... Nous allons donc à Eshindrak, le cristal que vous voyez là, pour péter le cristal mère. Et je pense péter le boss final aussi, Ultima. Pas se laisser déborder. Pas se laisser déborder? Alright, ok. Voilà. J'adore ce pouvoir, j'adore, j'adore. Lui et celui-là où tu prends tous les potes. Voilà. C'est fort, non? C'est fort, hein. Pardon, excusez-moi. Next, exactement. Voilà. Oui, c'est vrai, avec Shiva, je les gèle. Bah voilà. Des réclamations? Par ici la monnaie? Coucou Kitoun, comment ça va? Coucou à toi. Oh, merci Renardo Chan. Oh, merci beaucoup Renardo, tu vas me faire pleurer, arrête. Merci beaucoup Renardo Chan, merci pour ton gentil message, c'est trop gentil. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à vous d'être là, les copains. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Hein. Grâce à vous, là, la chaîne, à la fin du mois, on change de contrat, hein, je vous le rappelle. Hein. Sans avoir eu besoin de faire de push 70-30. Ils ne pourront pas passer. Oh, t'inquiète, j'ai vu que la porte était ouverte en bas. La porte là-bas est ouverte. Grâce à votre soutien, la chaîne change de contrat au mois d'octobre. Ça va changer... changer ma vie, et ça c'est grâce à vous, vraiment, merci beaucoup. Bye. Bye. Des bisous Yann, des bisous à toi. Ouais. Non, ça. Ah, je vais boire de l'eau, ouais. Trophée obtenu, briser la glace. J'ai utilisé beaucoup le pouvoir de Shiva, c'est ça? Oh merde, il me cancel. Venez là, là, venez là tous là. Je bois de l'eau juste après, promis. Walélélélélé. C'est bon? Je peux boire de l'eau? Oh là là, la thune, la thune, la thune, la thune. Coucou la tueuse de cochon. Mon nom. Petit, comment il s'appelait Porcinet? Non, c'était quoi? Porcinou? Je sais plus comment il s'appelait à la fin. Porcinet, Porcinou, le petit cochon qui était notre copain finalement. Merde. Et moi je vais te regarder péter des culs en mangeant ma glace. Allez, Porcinou! Voilà, petit Porcinou. C'était notre copain Porcinou à la fin.
Ok. J'ai tué des cochons. Non, j'ai tué des vilains sangliers qui voulaient me rentrer dans le fion. Après, le petit cochon, c'est devenu mon meilleur copain. Voilà. Mais oui, j'ai tué des vilains sangliers qui voulaient me péter le fion. Et après, le petit cochon tout mignon, on l'a appelé Porcinou. Je trouve ce nom beaucoup trop mimes. Attendez, le loot! Ah! Ah! Non! Ah! Allez, venez les refs. Venez tous. Venez tous, venez, venez. Oui, oui, venez tous. Et c'est parti! Moi qui voulais aller chercher le loot. Oh non, ils ont des... Ok, ok. J'allais dire, ils ont des boucliers. Oh là là. C'est fort encore, je suis désolée. Je suis désolée, le son du jeu est très fort. C'est très dur à gérer pour le coup. Le son de FF16 est très dur à gérer, je trouve. Alors, moi, je m'en fiche parce que avoir le son fort dans mes oreilles, c'est de l'immersion quand je joue seul de mon côté. Mais quand je dois vous parler à côté et tout ça, c'est vite assez... assez dur à gérer. J'adore me prendre des météorites dans le cul, alors les sangliers. Oui, mais entre un sanglier et Behemoth, bon, voilà. Behemoth, oui, bon, Behemoth, quoi. Un sanglier, bon, se faire rouler dessus par un sanglier, c'est pas ce qu'il y a de plus glorieux, finalement. Allez, je vais avoir le temps. Priez pour moi. Let's go! Attention, on fait la chenille. C'est la chenille qui redémarre. C'est l'attaque chenille, celle-là. Oh, qu'est-ce... Ouh, bonjour! Le gros monsieur d'abord, Ria! Je t'avais pas vu, monsieur, pardon. Oh là 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 là, il est vénère, il est vénère. Kamel Wally. Ouah! Ouah! Arrête! Arrête! Je te refroidis, moi. Non! Vas-y Clive, t'inquiète, j'y vais mon ref. Ah, les attaques d'Odin, il y en a pour un quart d'heure. Hein. Tout ce qu'il a pris dans le fion. T'es gelé mon ref. Oh loulou. Non, pas le feu dans mon cul, non. Non. Au secours. Ah. Tu vas mourir, s'il te plaît. Tu meurs ? Joshua, donne tout ce que t'as. Merci Joshua. Bon, au moins ça fait de l'argent. Alors qu'une corne de sanglier dans le cul. Ça dépend du sanglier, oui bien sûr. Rien de glorieux à se faire rouler dessus par un sanglier. Ce stream m'en met plein les yeux. C'est vrai qu'on dit n'importe quoi. Merci pour les GG. Oh ! Le beau bâton. Le bon bâton. Merci beaucoup les copains. Je vais là, hein. Du coup c'est là. Hein. Je vais au cristal, hein. Oui. Elle a suivi la dame. On peut pas prendre son arme pour se cacher dedans.
Oh, le beau cheval! Une fois engagés sur ce pont, nous serons à découvert. Financièrement? Ah, c'est tout, ok! Oscar, mieux vaut se dépêcher. Je croyais qu'on partait sur une cinématique, pardon. C'est beau, hein? Regarde, on va là. On va tout péter, oh! On va tout casser. Ouh là 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 là! Messieurs, permettez. Des questions? Non. Ok. Ok. Potion. Oui. Oh là là. Mais t'es... Allez, venez. Qu'est-ce que vous attendez? Alors venez, tranquillement, cependant. Venez, oui, mais un par un. Et tranquillement, je vous prie. Vache. Attends, faut que je tue les ZAD, faut que je tue les ZAD d'abord. Les ZAD d'abord, toi. Ok. Y'a plus d'aide ? Wouhouhouhou ! Ça suffit. Zantetsuken ? Non, Non, j'ai pas le temps. Bon, j'aurais tenté, hein ! Il va me charger. Non, on ne charge pas ! Trop facile. Oh, hé. Arrête. Zantetsuken ! Oui ! Ça touche pas, hein. Ça ne touche pas. Merci nonobstant, je te mets 10 sur 10 pour l'exécution. Mais ça ne touche pas, hélas. Ok, j'aurais dû le faire là du coup. Clive coupe de l'air, exactement. Je joue du R&P. C'est tout à fait ça. Allez, c'est ciao. Ok, donc Ultima est là, quoi. S'il commence à y avoir les bestioles d'Ultima, il y a de moins en moins de doutes sur le fait que Ultima soit là. Merci pour les GG. R&P, le roman, exactement, ouais. On passe par le château. Je pense que nous n'avons pas le choix. On passe par où vous voulez, les mecs, là, vraiment. Moi je vous suis, hein. Je vous suis et j'appuie sur les boutons. C'est beau. C'est beau. Ça manque de lumière. Moi j'aurais mis des petites lights, tu vois là, il y a un petit lampadaire là, un petit cristal. J'en aurais mis un peu sur les côtés, un peu là, tu vois, pour éclairer un peu ça. Mais c'est beau, hein. Vache. C'est beau, hein. On peut pas y aller. Ok, ok. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Vous êtes venu tout seul? Ténacité de Bahamut satellite. Est-ce que je changerais pas en vrai les pouvoirs d'Odin? Je vais changer, je pense, les pouvoirs d'Odin. Il est bien Odin, mais je pense que je préfère... Ou Bahamut. Ou Titan. Je vais me refaire un peu au pouvoir de Bahamut. Genre typiquement ça. Ou après je dois faire ça jusqu'à ce que ça se monte. Et après je dois rappuyer sur... Ok. Faut que je me refasse à ça. Ramu le baisse. Ah non. Non, les pouvoirs de Ramu sont cool, mais alors je déteste son pouvoir spécial où on appuie sur rond. Je le trouve très casseur de rythme.
Pour mon gameplay en tout cas. Sinon si son ult là est vraiment très fort. Mais je préfère ouais, je préfère Odin ou même Titan. Par contre Titan est exceptionnel pour le coup. Voilà, si je fais ça là et que j'esquive. Faut juste esquiver quoi. Ou juste passer du temps comme ça, non? Voilà, ça fait 1. Bon, ça attaque beaucoup quand il y a beaucoup de mobs là, comme ça. Et là, méga fission. Ça, c'est très très fort aussi. Hein. Pas de soucis. Nouveaux ennemis en approche. C'est méga puissant. Bon, encore faut-il bien les viser, mais... Sid casse l'ambiance. J'ai pas du tout joué avec Titan dans ma première partie. Je le redécouvre en mode fantasy finale. Et c'est la super éclate. Je l'adore, Titan. Les pouvoirs de Titan. Je les adore parce qu'il y a ce côté parade parfaite que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et qui font très, très mal. Je trouve que la récompense de l'attaque de Titan qui est une parade parfaite là, oh, c'est un régal. Salut. Niveau 42. Coucou Marbicup, comment ça va? Oh tiens, je t'envoie des cœurs Marbicup, courage à toi. Courage pour le mal de ventre. Et on y arrive, hein. Allez, venez. Ah, un curl. Bonjour. Curl éthérique. Alors, vise-le. Merci. Dans le fion. Non, c'est mon choix de les garder, ouais. Le pouvoir de Phoenix, c'est mon choix de les garder, ouais, Treyarch. Je peux changer, je peux avoir 3 super pouvoirs. Et c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis lesquels, ouais. Et tu vois, dans des gros boss comme ça, là Dion, c'est super fort. Parce que je dois esquiver tout le temps. Et l'esquive me fait agrandir mon pouvoir. Ah, c'est méga fort. C'est peut-être pas très important et très intéressant sur les trash mobs, mais sur des boss, regarde, il attaque encore, c'est fou. Et 40 000 dégâts totaux, la vache. Ouais. Allez, attaque-moi là! Et oui, pardon, Phoenix, je garde. Il a duré 2 secondes. Cœur l'éthérique vaincu. Et Phoenix, je garde parce que son ult est hyper fort, je trouve. Tu sais, quand t'as plein de petits mobs partout, bah, il te les désingue tous d'un coup. Et du coup, j'aime vraiment beaucoup. Et le dash. Le dash de feu. C'est pépite pour moi. Vraiment ça. Ça là. Pour moi c'est pépite. En combat c'est exceptionnel. C'est bon Dion. Enfin Bahamut du coup. Tu peux... C'est bon. On l'a buté, c'est bon. Y'a pas de trésor. Non. Et ouais, c'est Phoenix, c'est tout ce que j'aime dans ses pouvoirs, ouais. Les combats épiques et le lore fascinant de fou. Ah ouais, je suis d'accord. Après, je comprends que les gens n'aiment pas. Je comprends que pour des gens, il y ait trop de lore, il y ait trop de cinématiques et tout ça. Il y a beaucoup de cinématiques, etc. Moi, j'adore ça. Quand un jeu me propose des séances de cinéma aussi, je suis... Surtout quand le lore est intéressant comme ça, quoi. Coucou Bonono Kong, comment ça va? Coucou à toi. Exactement, Vividono. Merci pour les GG, vous êtes trop mimes. Merci beaucoup. Et ouais, je trouve que l'équilibre est bien trouvé entre le lore justement et
entre le lore et... je peux pas ouvrir ça. Et les phases de combat épiques et les phases de combat trash mob que beaucoup de gens n'aiment pas ces phases de combat là que je suis en train de faire. Mais moi je trouve que c'est vraiment l'essence des vieux Final Fantasy pour le coup. Le fait de farm sur des trash mobs comme ça. Trash mob, ce que j'appelle trash mob, c'est des mobs classiques un peu aux F comme ça. Qu'il faut battre un peu par vague. Bah ça me rappelle vachement un peu les vieux RPG où vous savez c'est dans Final Fantasy les vieux, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont vraiment en mode RPG, JRPG. Ça marche un peu comme dans Pokémon quand vous êtes dans les hautes herbes. Vous vous faites attaquer aléatoirement comme ça par des mobs. Je suis déjà passé là, hein. Non ? Oh putain, Kong, je suis perdue. Attends. Oui, c'est bon, je me repère, ça y est. Et du coup, ouais, voilà, Bokoblin, c'est des trash mobs, ouais, tout à fait. Pour ça, il est créature, ouais, clairement. La royauté d'Angleterre nous casse les bonbons à Versailles. Ah, putain, mais il y a le prince, le roi. Le roi qui est à Versailles, là. Ça y est, finalement, Macron n'a plus peur de le recevoir. Ils t'ont même pas invité au repas. Tain, ça dégoûte. Hein. Petite session farming, ouais, pour être au bon level. Ouais. Moi, ça me dérange pas, j'aime bien même. Je comprends qu'il y ait des gens, ces phases-là, là, où t'as plein de mobs à battre. Je comprends qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ça. Mais je trouve que ça... Ça renforce aussi les mobs surpuissants derrière. En termes de sensas, quoi. Je pense que si j'y avais joué dans mon coin, j'aurais rien compris tellement l'histoire semble complexe. Le fait que tu prennes le temps de résumer à chaque session et d'expliquer le lore a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir. Oh, c'est trop gentil, Momo, merci. Je pense en vrai que focus, en train d'y jouer, t'aurais compris. Sachant que t'as toujours le personnage... Truc que j'utilise jamais. Merde. Bah là, en combat, je peux pas. Mais tu sais, il y a ce pouvoir là, ce pouvoir. Je peux utiliser... un menu qui me permet d'avoir le lore, un petit résumé du lore dans le lieu dans lequel je me trouve et tout. Il y a des outils qui te permettent de... Dans celui-là, première fois qu'il y a ça, hein, j'ai l'impression. Il y a des outils qui te permettent de... Ça. Tu vois ? Il y a des outils qui te permettent de mieux comprendre le lore. Par exemple, là du coup, on est en route vers Eshindrak. Et Shindrak, il m'explique que c'est le cristal mère de Valeud, du royaume de Valeud, etc. Si Valeud, je me souviens plus trop, il me réexplique Valeud, le roi Barnabas, qui est l'émissaire d'Odin, machin, gna 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 gna, Ultima, blablabla, blou blou blou. Les sbires d'Ultima, il me réexplique, etc. etc. Et c'est trop, trop bien. Et ça, on l'utilise pas, parce que le fait d'essayer de vous faire un maximum, un résumé à chaque fois que je joue, ça me permet moi aussi de pas perdre le fil, vu que je fais des résumés tout le temps. Donc ça me permet de rester au point avec ce qui se passe dans l'histoire. Mais justement, si tu es un peu perdu dans l'histoire ou quoi, il y a cet outil-là qui est formidable pour... duquel je ne parle pas assez d'ailleurs, hein, je trouve effectivement, cet outil-là. Qui est vraiment trop cool pour se refaire un point sur le lore, ouais. Le lore, c'est blablablublou. Ah oui, ça bloque les métros et tout, Charles III est là-bas, oh la vache. Et les diagrammes de Viviane aussi, oui c'est vrai. Viviane, ce personnage secondaire, qui est un personnage à chaque fois que tu retournes à ta base, t'as une quête principale qui te demande d'aller voir Viviane, et elle te fait un topo sur la géopolitique actuelle, qui, à quel plan, qui est en train de faire quelle manœuvre, et pourquoi c'est compliqué, et pourquoi, etc. C'est... Vraiment, ils se sont appliqués pour faire en sorte que les gens comprennent le lore. C'est assez hallucinant, hein. Je suis... très agréablement, pardon, surprise par le soin qu'ils ont mis à faire comprendre un maximum la quête principale qui est pas évidente, hein, y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais je suis hallucinée, ouais, par le soin qu'ils ont mis à ça, vraiment. Et c'est peut-être un truc. C'était peut-être un truc qui manquait au Final Fantasy, un truc où le lore t'est bien expliqué à tout moment et tout ça. C'est peut-être un truc qui manquait aux anciens pour que ce soit totalement accessible, peut-être. Peut-être pas, je sais pas trop.
Mais je me pose la question. C'est pour ça que vive Twitch, car IRL, je n'ai jamais joué à FF, alors qu'on me le survend depuis le collège. Mais je déteste ces gameplays, oui. Là, avec toi, je peux apprécier le jeu sans me saouler. Oh, let's go, ça fait trop plaisir, vraiment. Ça me fait trop trop plaisir. Moi, si je pouvais vous faire... on fera jamais que du Final Fantasy, parce que même moi, j'aime la diversité quand même, etc. Mais si je pouvais que vous faire des jeux de cœur que j'aime très fort, dans le but de vous les faire découvrir... J'ai vu la porte tout à l'heure et je l'ai perdue, attendez. Elle est où la porte? C'est elle? Non, je viens de là moi, non? J'ai vu la porte s'illuminer, c'était une toute petite porte. Et je l'ai perdue. C'est elle là-haut? Nain? Ah, c'est par là? Là? Ça s'ouvre pas? Non? Merde. Je vous parlais et j'ai fait des tours et je me suis perdue. Ah non, c'était le levier, pardon. Bernard Laporte. Question pour les fifrelins. Depuis 3 mois, Twitch me propose systématiquement de célébrer mon abonnement 2 fois. Oui, ça me le fait aussi, Moonzel, ouais. C'est des petits bugs Twitch, ça. Si t'as envie de le fêter 2 fois, tu peux le fêter 2 fois, y'a pas de soucis, hein. Mais c'est un petit bug Twitch que moi j'ai aussi, ouais, effectivement. Sors, t'as plus le temps. Oh! Enchanté. Moi, c'est Clive. Oh là 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 là! Endiguez l'attaque des serviteurs d'Ultima! D'accord! Alors, endiguez-vous! S'il vous plaît, faites-moi le plaisir. Oh là là, c'est des sacs à PV. Faites-moi le plaisir de vous endiguer, s'il vous plaît. J'en vois tout, hein. J'en vois tout d'un coup. Il faut toujours qu'il y en ait plus. Oui, hein, c'est casse-couille, hein. Allez, attaque-moi vraiment. Il est où ton pote? Je l'ai plus en visu. Il est en train de m'envoyer des barbecues! Attendez, un à la fois s'il vous plaît, un à la fois. Les Jonas Brothers là. Je dis n'importe quoi. Ok. Moins un! Bah alors t'es vénère parce que j'ai buté ton frère? Et que toi t'arrives pas à buter le mien? J'ai rien dit. Nouveaux ennemis en approche? Où ça? Attention Joshua, je ne contrôle pas mon rayon laser. N'invoque pas Ifrit, pas encore. N'invoque pas Ifrit? Je ne peux pas te laisser encaisser tout ça. Clive, arrête. Tu dois garder tes forces pour le cristal mère. Joshua, tu me dis pas ce que je dois faire, ok? T'es pas ma daronne, Joshua. Heureusement d'ailleurs. Parce que vu l'état de la daronne qu'on avait, c'était pas fou. Et quand je te dis de te calmer, Joshua, tu te calmes, s'il te plaît. Ok. Toi, tu veux Dion dans le fion. Endigation en cours. Fafa à Fort Boyard. Ah non, jamais, jamais, jamais. Ah non, moi j'ai la phobie des rampants, donc Fort Boyard, jamais, hein, les gars, je suis désolée. Désolée. Même si on payait 1 000 000, je refuserais, parce que ce serait juste le meilleur moyen pour me voir m'évanouir. Let's go. Merci, tiens, tiens, tiens. Ah. Retourne dans WoW, toi. Oh non, mais t'invoques des bébêtes et tout, là. Ouf, je me les suis pris dans la tronche. Oh non, mais c'est le même que tout à l'heure, j'ai envie de crever. Bahamut. Dans quel but? Let's
secours. Je vais m'en prendre une dans la gueule là, non? Ah non, si. Bah mute dans lequel but, c'est rigolo, non? Dame m'évanouir. Dame m'évanouir. Pourquoi je rigole à ça? Oh putain, vous êtes drôle! Vous êtes drôle! Bon, j'imite un peu plus Guenièvre quand je dis ça, mais... Très réel, c'est un mob de WoW. Ouais, on est d'accord, hein. Enfin, c'est comme ça que j'imagine les mobs de WoW. Tu vas te calmer, toi. Oh, oh, il faut que je recule, hein. Là, je suis en très mauvaise posture. Ah non, ça va, je l'ai fait trébucher. Ça la cancel. Comme Norman. Terminado. Oui. Serviteur d'Ultima, vaincu. Bravo. Oh, putain. Après, on voit plus les polygones. On voit plus les polygones sur WoW. Merci pour les GG, merci. Oh! Oh! Disparition. Oh non, mais oh! Ok, c'est le mob rush là. Ça, c'est Square Enix. Hein. C'est le mob rush. Il en arrive sans cesse. C'est pas le boss rush, mais le mob rush. On va tenir comme ça. Recule, Joshua. Je vais invoquer Ifrit. Non, Clive, c'est trop risqué. Pourquoi? Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Si tu gaspilles tes forces, tu n'en auras plus pour détruire le noyau. C'est vrai. C'est coucou Milev, comment ça va? Ça, c'est moi qui fais un créneau dans Sea of Thieves. Oh, c'est Mid! Mid! Oh, Jill! Oh, ça fait trop plaisir de vous voir! Bébou! Oh, je vous aime tellement! J'ai vraiment les meilleures potes du monde. Ah, elle fait trop plaisir cette scène de fou. Les bros quoi. Ils sont tous là. Sauf Sid. Surpris de nous voir ici. Mais comment? Gab, comme il connaît la route jusqu'à Eshindrak, il a su nous dire exactement où vous seriez. Et quand nous avons vu la pluie de météores tout à l'heure, nous avons compris qu'il avait raison. Et nous avons des renforts. Oh! C'est un honneur de vous revoir. Je dois m'acquitter d'une dette envers vous. Prince Dion. Je vous remercie de votre aide. Alors, c'est donc vous, Ifrit. Votre oncle m'a confié un message. Crois toujours en tes convictions et ne renonce jamais. Ton père en aurait fait autant. Oh, Dion, je t'aime. C'est tout. Merci. Ah, t'as oublié. Fond du cœur. Il a aussi dit... Notre Altesse. C'est la merguez. C'est Dion. Voyons. C'est tonton, hein. Pardon d'interrompre vos émouvantes retrouvailles, mais vous savez qu'on a encore un cristal mère à détruire, là.
Alors, sans vouloir vous déranger, peut-être qu'on pourrait continuer. Oh, cette musique! Le thème de Final Fantasy! S'il y en a un seul qui meurt, je casse tout, ok? Là, il y a tous les gens les plus chers à mon cœur. Bon, à part Jackie le Marchand. Je sais plus comment il s'appelle. GG en tout cas mis le créneau, hein, bravo. C'est si épique, mais oui! Goethe. C'est la dernière fois que je te souhaite une bonne route, je crois. Mais je te demande quand même d'être bien prudent. Non, en fait, ça me ferait... J'ai réuni pas mal de marchandises pour l'occasion. Désolé, je dois te faire payer, sinon c'est sûr que mamie va me gronder. Non, je t'aime trop. D'accord, en fait. On va éviter de la contrarier. Tu sais, il faut bien te préparer cette fois. Comment ça cette fois? Comment ça cette fois, mon ref? Tu veux qu'on se tape? Bienvenue chez la boutique de Goethe. Pardon? Ok. Bah, take my money. Est-ce qu'il te faut autre chose? Bah, tous les trucs stylés comme ça que tu as, hein, mon ref, écoute, je... Tiens, voilà. Odor, il tient la porte. Ouais, il est mignon, mais il perd vite le sens des affaires, ouais. Putain, moins 26 de vie, néo. 86 de défense, attends, t'as peut-être autre chose? Non, après c'est les armes runiques et tout. Ça non. Ça je suis full, celle de défense, je t'en reprends un. Est-ce qu'il te faut autre chose? Bah non, je suis allé voir... T'es sûr? Tu veux que je te fabrique quelque chose? Calme-toi. Je suis allé voir Caron il y a pas longtemps, donc non. Ok. Ben non, hein, écoute, mon ref, on est bon, hein. Ça me fait perdre juste 1 de défense, 4 de défense, pardon, pour 2 PV. Ah non, pardon, non, hein. Non. Non, je suis bien, là. Il faudra autre chose ? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Goethe, je rigole. Je retire ce que j'ai dit. J'ai dit que ça me ferait de la peine de perdre tout le monde sauf toi. Mais en fait, non, toi, ça me ferait de la peine aussi. Je suis désolée, Goethe. Je t'aime bien. T'es un bébou. Dion ? On peut se parler, Dion ? C'est avec regret que je renonce à assister à la conclusion de votre quête. C'est pas grave, au moins tu meurs pas. Je saurai défendre dignement vos arrières alors que vous accomplirez votre destin. Pas de soucis, moi ça m'arrange. Merci beaucoup, Dion. C'est un 06 ou pas, Dion? Coucou Sofols, comment ça va? Buvez de l'eau. Tous nos efforts ont été consacrés à ce jour. Il faut y croire. Tu as raison, il le faut. Ok, c'est maintenant, hein. Là, c'est que du dialogue de fin, hein. Talgor, tu vas me dire un truc? Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Talgor. C'est les meilleurs waf-waf. C'est les meilleurs waf-waf. Les copains, je vais faire une pause pipi maintenant. Je vais faire une pause pipi maintenant. Bah oui, petit boubouchou. Petit boubouchien. Ah, attends, pardon. Gab, je suis désolée. Pardon. Si c'est le dernier coup d'éclat du renégat, il faut qu'il soit retentissant. Tu peux compter sur moi. Et jeter un œil sur les autres. Mais le récupérer après, parce que sinon c'est complexe pour toi. Je vais faire une pause, Pips. Je reviens. Je vais vous laisser avec Brad Pipit. Coucou Delphia, comment ça va? Merci pour le courage, merci beaucoup. Re. Ça va toujours? Hop. Je retire juste les petites notifications que j'ai. Hop. Les bots là qui like sur Twitter là, let's go. Ok. Bon bah... Ouais, ça va toujours. Bon bah re le jeu et... Let's go Ultima quoi. Enfin, let's go Ultima.
Let's go péter Shindrak. Vous êtes stressé, évacuez tout ce stress en pissant, bien sûr. Tout à fait. Allez, c'est maintenant, Joshua. Tu viens avec moi, Joshua. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien de tous nos compagnons. Maintenant, et quels compagnons? C'est à nous de jouer notre rôle. Continuez. Non. Aïe, aïe, aïe. Partons détruire le dernier cristal mère. Joshua, il est temps. On ne peut plus reculer. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporter. On va en finir. Ensemble. J'ai plein de scénarios dans ma tête, hein. Qui tournent mal, hein. J'espère avoir tort. Je prends un bonbon, ok? Vous savez tous ce qui nous attend. Et Shindrak est derrière cette porte. Tort? Et nous allons le détruire. Ensemble. Oh, le shonen. Ouais. D'accord. Oui. Attendez, je me casse, pardon. Le pouvoir de l'amitié. Alors. On dirait que nos hôtes veulent nous retenir. Oh Dion, je t'en supplie, fais attention à toi. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal, vite. Les traits n'est pas en chemin, d'accord. Ah oui, c'est l'excuse pour que nous, on soit que deux à y aller et que eux, ils restent derrière. Oui, ok. Dion nous avait un peu spoilé ça, mais oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ok. Ah oui, j'ai pas le temps de rentrer, quoi. Ah d'accord, on a... D'accord. Pas le temps. En avant. Jill, concentre-toi. Ok, moi je pensais qu'on allait avancer sur le pont, qu'on allait réfléchir, se dire on va le faire ensemble, frérot. Bye. Des bisous à l'aide, des bisous à toi. Je vous coupe les alertes d'ailleurs. Merci d'avoir été là. Oh, mais Boutalgor qui nous a rejoint au dernier moment. Oui, tout à fait, Bonono. Ils ont échangé un bisou. Joshua, réponds. Clive, est-ce que c'est toi? Ben oui. Mais où sommes-nous? T'as pris un sacré coup sur la tête, mon ref. Pourquoi Yam de Creator? Comment ça va? Et non, c'est pas moi. Bienvenue dans nos ténèbres. Ok. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi! Te voici, Mythos, accompagné de Phénix. Les fils du feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre. Oh, c'est beau. Quel péché a commis l'humanité? Coucou Mamadou, comment ça va? Bonne nuit Kento, bonne nuit à toi, merci d'avoir été là. Nous sommes ses prisonniers. Si, ouais, Chlorine, c'est la voix de Robert Downey Jr. Alors c'est simple. On lui règle son compte et on sort d'ici. Oh bah c'est facile en fait. Prouvons-le pour en finir. Oui, c'est la voix d'Iron Man. Fissure interdimensionnelle. Et Sam, 23 mois Sam, merci beaucoup. Attends, je suis là. Merci Sam pour les 23 mois de sub, merci beaucoup. Je t'envoie des cœurs. Merci, comment ça va? Comment tu vas, Sam? Bonjour. Bonjour. Ça va au top, I am the Creator. On est sur la fin de ce FF, là. Et depuis tout à l'heure, on en prend juste plein la gueule.
Parce que le jeu est beau. C'est des particules, c'est ça, ouais. Oh, c'est beau, c'est beau. Parce que le jeu est beau, parce que la musique est exceptionnelle. Parce que les personnages sont sublimes. Ah ouais, Ultima, ils lui ont fait un petit thème un peu électronique. Fissure interdimensionnelle, aussi connue comme le trou de son cul, tout à fait. Tout à fait. Oh, c'est beau. Ça, c'est pareil, c'est très FF14. Les décors comme ça, en suspension. Vous savez, la gravité est en suspension comme ça, des décors un peu éclatés et tout est suspendu comme ça. C'est très 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 FF14 aussi en termes de décors. Très chouette, ouais. Très cash aussi, ouais. Nier Automata aussi, il y a ça. Bon, c'est très Square Enix en fait, hein. C'est une esthétique qui correspond bien à ce genre de jeu, quoi. Ah, c'est trop trop chouette, hein. Bâtard. Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. La musique, je meurs. Alors que le monde était encore jeune, nous ignorons le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre. Survivre, dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Oh, de Fukana, oui. Mais si le fléau noir est causé par la magie, eh bien, qu'en est-il des Christomères ? J'aimerais qu'ils nous le disent une fois pour toutes. Oh, les couleurs sont belles, putain. Fou. Oh, la musique est exceptionnelle. C'est beau. Oh, c'est si calme. Alors qu'on va se faire détruire l'oignon, vous le savez, hein. Vous le savez, hein. C'est si calme. C'est vrai, Yakiz. Oh, let's go. Je te comprends. Bah moi, si jamais un jour elle sort sur Spotify, elle ira dans ma playlist Sleepy Final Fantasy, ouais. Où j'ai que des musiques toutes douces comme ça. Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés. Et ainsi réduits à nos esprits, avons-nous trouvé un nouveau paradis. Celle de FF, pas encore, à Yakis, parce que je suis encore en train de... Une contrée pure et intacte. Je suis encore en train de les alimenter. Valistea. Mais après, avec plaisir, oui. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer. Car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son dieu.
Ouais. Et où? Si nous renonçons à notre volonté et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. Voilà. Merci Énergie, merci pour les 4 mois de sub, merci beaucoup. Je suis là. Merci beaucoup Énergie, c'est trop gentil. Merci à toi pour les 4 mois. Merci beaucoup pour le soutien, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Je sais que je t'ai déjà vu tout à l'heure, hein, mais merci beaucoup. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le roi. Eh bien, suivons Ultima. Oui, avant que je pète mon paquet de bonbons, s'il vous plaît. Pour l'instant. Parce que là, les pastèques, il n'y en a plus beaucoup des survivantes. Hein. C'est mal barré. Hein. Ah, puis j'ai mis le nez dedans, c'est finito. Hein. Je cherche du loot, mais évidemment qu'il n'y aura pas de loot ici, Pharaon. Ah ouais, c'est la fin des pastèques et des haricots, là, oui. Allongez-vous, fermez les yeux et détendez-vous. Je peux appeler mon chocobo ? Rigole. Le loot, c'est les bons becs, exactement. En même temps, les petites pastèques, là, miam. Établir un nouveau monde nécessitait non seulement une grande puissance magique, mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile. Épargné par le fléau noir, Valistea regorgeait des terres. Nous n'avions qu'à la parer de cristaux pour le puiser. Mais... Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Ah ouais. Il n'y a pas de quoi s'étonner. Bon, quand même. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, Mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil. Mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Bah oui. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. Kuma Janaka, oui. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir, il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. C'est vrai, Telkana. Tu fais porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre éveil a provoqué le fléau noir. Notre faute? Non. Non, nous n'y sommes pour rien. Dis-leur. Dis-lui bien. C'est toi le responsable de tout ça. Comme par hasard, partout où tu vas, il y a le fléau noir. Et c'est nous les responsables? Non mais oh, ça va, oui? Dis-leur, 22h56. C'est pas la vraie heure, hein. Skull Kid, hein. Tu avances, hein. T'es dans le turfu, hein. 26, ouais. Bon, c'est vrai qu'on s'entretue et qu'on va mener notre propre race à la destruction parce qu'on s'entretue, parce qu'on bousille tout, etc. Oui! Mais ne nous accable pas de choses qu'on ne fait pas, monsieur le vilain Ultima, là. Pas parce que t'as un nom stylé que... Hein? Que t'es le moins sale d'entre nous, hein.
quel logo, Overclockman? Le logo de la chaîne? C'est l'œil Sheikah. Si c'est ça dont tu parles. Ifrit. Un ifrit noir. Ah. Voici notre enveloppe charnelle, abandonnée depuis longtemps. C'est pour ça, Mythos, que tu dois devenir notre réceptacle. Valistea ne pourra bientôt plus supporter le fardeau sur la pierre qui l'accable. C'est la cupidité de l'homme qui l'entraîne toujours plus près de la destruction. Mais la rédemption est possible grâce à toi. C'est pour cela que tu es né. C'est pour cela que nous t'avons élevé et nourri, comme une mère le fait avec son enfant. Maintenant que ta croissance est achevée, cher Mythos. Pourquoi, Phil ? Il est temps, enfin, que tu accomplisses ton destin. Nope. Pour expier ta faute. Bah oui. Si notre crime est de vouloir survivre, alors tu es aussi coupable que nous. Tu veux vivre. Tout comme les hommes qui ont développé leur volonté. Alors, pourquoi ne pas avoir uni nos forces? Vous aviez le même objectif que nous. Parce que nous ne voulions pas nous abaisser à cela. Oh bah t'assumes maintenant. Les humains ne sont que le terreau dont nous nous sommes servis. Oh non non, mais c'est bon, c'est que de la condescendance, va te faire foutre. Est-ce vraiment si difficile de le comprendre? Ok Marine Le Pen, va te faire foutre. Nous n'avons besoin que de toi, Mythos. Ah, allez. L'humanité a déjà trop rempli tard son rôle. Et quand nous créerons notre nouveau monde, elle sera inutile et disparaîtra. Ça va, là. Comment ça, inutile? Il aurait pu m'embobiner, hein. Ce sera notre monde. Mais là, non, non. Après son acte de trahison, l'humanité pécheresse n'y mérite pas de place. Le monde nous appartient et nous ferons ce que bon nous semble de ceux qui s'y trouvent. Car tel est l'ordre des choses. Mais nous sommes ici, chez nous. Ce monde ne t'appartient pas! Ah oui, d'accord! On râle le cul! Il en a eu râle le cul comme moi. C'est bien là que tu fais erreur. Vous n'avez rien mis à part votre volonté. Ah, il est beau. Enfin, beau. Il est horrible, mais... Il est monstrueusement beau. Clive... Tous les deux, on peut le faire. Oui. Je suis là, avec toi. Oh, Bibou. Reste avec moi, je t'en supplie. Je suis fatigué de votre insolence. Bah, va te coucher, oh. Allez. Allez, dodo. Quand comprendrez-vous? Votre maître ne saurait tolérer la désobéissance. Oh, j'ai déjà les mains moites. Oh là là, OMG! Oh. Avec mes amis, avec ma famille. Nous avons souffert et lutté pour survivre. Ce monde est certes imparfait, peut-être même perdu. Mais c'est le nôtre. Et si tu refuses de le partager, alors je ne vois qu'une seule solution. Explosion ! Tu dois disparaître. Nous a peut-être créé Ultima. Mais il est temps que nous prenions notre liberté. Ce monde n'est plus le tien désormais. Il me reste 6 pastèques. Il est à nous. Prosternez-vous. Hé ! Attends ! Je suis même pas réapparu. Ok. Oh, what the fuck ! C'était sûr ! Oh la vache. Hey, il va me péter le fion, lui. Ah!
Attends mon ref, attends. Je te mets tout ce que j'ai, je te le mets dans le fion. T'es où? Je sais pas où il est. Voilà. Ok, je te mets tout dans le fion, après on discute. Ouh! On va discuter vite après, hein. Oui! Oh là là! Non, 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 je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Ah! Ouh! Qui? C'est bon. Eh, Dion dans le fion, ça se refuse pas. Aïe. Ok, ok, j'insiste pas. Ah là 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 là. Vas-tu tenir? Non. Sur la fin, c'est dur. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ça m'a déjà vu. D'accord. Pas touché, oh. Pas touché, oh. Trop facile. Bim! Ça va, il est pas... Bon, c'est la phase 1, hein, bien sûr, vous vous doutez bien. C'est un boss final, hein, on est sur sa phase la plus facile. Pour l'instant, c'est plus facile que Barnabas. Non, la dernière phase, là, elle est dure. Je renvoie tout dans le fion, hein, je donne tout. J'ai donné tout ce que j'avais. 49 000 dégâts, OMG. Ah, il a éteint la lumière. De tels crimes ne sauraient être rédimés par votre résistance. L'absolution ne s'obtient qu'en s'agenouillant. Oh, il est stylé sa mère, il est stylé sa mère. Mortel, incapable de la moindre contrition. Oh non, ah non, 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 non. Oh la vache, ça va faire mal. Ah non, assis, assis. Dis bien. Aïe. Ok. T'as gagné. Il est temps. Aïe 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 aïe, je prends cher, je prends cher. Une épilation, mais qui fait un peu mal. C'est un peu ça, hein, la sensation, je pense. Hein. C'est que t'as l'impression que tu vas esquiver la douleur et non, non, t'esquives rien du tout. Épilation du sif, ouais. Stop, 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 stop. Oh là là, c'est pas le meilleur moment pour faire ce tac 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 tac. Oh non.
Ça suffit, ça suffit. Qu'importe où je me mets, hein, je me les prends ces rayons. J'arrive à en esquiver. Je peux en esquiver un peu au début, mais tous ne. Enfin, tous ne sont pas esquivables. Si, bien sûr, mais. On t'a donné cette chance. Et tu persistes dans ton désir de t'opposer à ton maître. Coucou artefact. Bon sang. Les ténèbres sont en train de changer. Ah, mais il a un sacré goût pour la déco, hein, moi je trouve, hein. Non, je pense pas, Joshua, t'abuses. Oui, voilà. Assurons-nous que ce soit la dernière. Ton destin est inévitable. Tu n'existes que pour être une offrande de mes destinées. Rien qu'un simple réceptacle. Je. Quoi ? Je prosterne-toi, laissez-le. Je vois rien, mon ref. Ah, sans le savoir, j'ai balancé. Oh la vache! Le meilleur timing pour cette attaque. Ouais, la déco est top, hein. Il a du goût, il a du goût. Le rayon de Bahamut. Attention parce qu'il bouge quand même, hein. Eh ben, il est plus là d'ailleurs. Non, non! Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Je reconnais, il y a ça dans FF14 aussi. Oh, la musique. Oui, monsieur. Vas-y, viens. Oh, Myrthe. Oh, le... Allez, attaque-moi. Ah mais ça je connais pas. Let's go. C'est maintenant. My body. Oh là là. My body était pas si ready que ça en fait. Oh là 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 là, j'en prends plein le cul. Bah, lui aussi, hein, ceci dit. Non, pas le rayon. Ah ! Pas ça ! Arrêtez ! Oh ! Esquive parfaite ! Esquive parfaite, mon ref ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas... Ok, ok, esquive pas parfaite. Esquive pas parfaite. Ok, esquive pas parfaite. Mais tout à l'heure, tes rayons de mort là. Esquive parfaite. Oh, l'encodage Twitch, oh non, je suis désolée les copains. Je pense pas en plus qu'en changeant, si en augmentant, non même pas. Je pense pas qu'en changeant mon débit, ça vous fasse quoi que ce soit. Ah, je suis désolée pour l'encodage. Les limites de Twitch sont là. Peut-être si j'enlève ma cam, ça vous fait moins de... Ah mais ma cam est pas là. Ok, ok. Ok, 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 ok. Merci beaucoup Dromadaire pour le follow, j'avais pas vu, merci. Ah.
Et peut-être que si je vous la mets, MDR, ah, vous allez me voir en pixelou, quoi. Ah, attends. Retiens la leçon. Oh non, j'aime pas. On a dit qu'on aimait pas ça. Attends, faut que je me mette. Merde, pas là. Arrête. Ah là, j'ai pas tout esquivé bien là. Tiens, prends ça. Dans le fion. Il est là, il est là, il est là. Aïe, 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 le timing, pardon, le timing. Ah non, ça va, j'esquive en fait là. Tiens, calme-toi. Oh, c'est trop gentil, dromadaire, merci. Bienvenue. Ah, puis quel jeu exceptionnel, hein. J'en prends plein les yeux, j'en prends plein les oreilles. Plein le cul aussi d'ailleurs, hein, faut le dire, hein. Yes, il est en hauteur. Ah oui, c'est le passage où je vois rien. Et juste, je subis. Alors que le son est en rythme. Allez, c'est la fin. De cette phase-là, en tout cas. Allez. Non, mais t'as plus de vie, toi, ça suffit, tu triches encore. La fin. Ultima défait. Bon, sauf qu'on se doute bien qu'Ultima, c'est pas que ça, bien sûr. Pourquoi je retire ma cam? Je sais pas pourquoi je retire ma cam. Je sais pas. Merci pour le GG, merci beaucoup les copains. J'ai utilisé toutes mes potions, c'est une catastrophe. Résilience d'Odin, lance des... danse des lames. Je l'ai retiré. Donc non. Tout de suite. Ouais, boss 235 sur 405, mort. Il nous reste plus que 2 heures de jeu. Pendant bien des générations, nous avons attendu ce moment. Oh, t'es trop BG en vrai. Calme-toi, je t'en supplie. Ah! Ah oui, il s'est calmé. Coucou Néon Titan! Comment ça va? Coucou Mila aussi! Ma âme est encore marquée par ta trahison. L'absolution. Est proche. Repens-toi et tout te sera pardonné. J'ai un peu chaud, Néon, mais ça va. Contente si tu vas bien. Ah. Bah. C'est le trône de la Rosalia, ok? De Rosalite? Y'a mon daddy qui est là? Ah oui, d'accord, c'est le passé. Ah. Isom nous raid. Oh merci Isom. Isom nous raid. Merci Isom pour le raid. Merci beaucoup. Coucou, je suis là. Bonjour. Trigger warning. On est sur la fin de FF16. Attention à vous si vous voulez pas vous faire spoil. C'est imminent. On est sur le boss final et tout ça. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, faites attention à vous. Sinon, bienvenue. Bienvenue à vous. On est en pleine cinématique contre Ultima. Donc voilà. Bienvenue tout le monde. Coucou Red Flower Queen. Coucou à toi. Bonjour. Bonjour Isom. J'espère que t'as passé un bon live. Merci beaucoup. Je quitte, je compte le faire plus tard. Effectivement, ne vous spoilez pas. Là, c'est vraiment genre spoilant sa mère, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Coucou Juju Banana, comment ça va? Bonjour, bonjour. Je disparais. Disparais. Merci beaucoup pour le raid. Oh Cid, bébou, Cid, je t'aime. Oh, sur Nier Automata, j'espère que tu t'es régalé. Exceptionnel jeu. Dis-moi, Clive, as-tu réellement sauvé des vies depuis que tu as pris mon nom? C'est une vision.
Clive, ce n'est pas vraiment lui, tu le sais. En détruisant les cristaux, nous avons surtout rendu les gens malheureux, tu le sais. Oh, Clive, Daddy. Ton acharnement n'a finalement sauvé personne. Oh, l'horreur. Tous ces grands idéaux que tu avais n'étaient que des chimères. Nous n'avons fait que semer la mort dans notre sillage. La vie est injuste, Clive. Il faut accepter les échecs. L'enfer. Typiquement, moi, mon cauchemar d'hier soir, quoi. Il faut que tu renonces. Renoncer. Pourquoi pas? Ça, c'est les couloirs du château de Rosalite aussi, je crois. Pitié ! Ah non. Y a-t-il personne pour me sauver ? Y a-t-il personne pour m'aimer ? Je vous mets un peu plus de son. Je la désire, mais elle m'échappe encore ! N'ai-je pas assez donné ? Oh non, Bibou. La volonté crée le désir, et le désir consume les hommes en en faisant des êtres incomplets. C'est pour cette raison que les hommes se nuisent, souffrent et tuent jusqu'à détruire leur propre monde. Si seulement tout pouvait disparaître, ce serait mieux. Mais... fermez-la. Ouais... disparaître... Clive, tu vas faire un effort, hein. J'ai pas battu autant de boss pour que t'abandonnes, hein. Ça suffit, hein. Je l'ai payé, le jeu, hein. Enfin, Square Enix me l'a offert, mais je l'ai aussi payé. Clive, oh, c'est Clive qui va nous sauver de ça. Ah, c'est Joshua, pardon. Heureusement qu'il est là, Bibou. Sors-nous de là, Joshua. Joshua, il essaie de nous sortir du cauchemar. C'est pour ça qu'il nous appelle. Oh non, l'attaque de Rosalia. Il revit le pire moment de sa vie. Oh non, Bibou. Tout ceci n'est qu'une illusion. Ouvre les yeux. Il est temps de rentrer, Clive. Clive. C'est ça. Tu es mon frère. Mon frère. Allez. Rappelle-toi qui tu es. C'est bien, tu n'oublieras plus. C'est le meilleur de tous les frangins. Mon nom, c'est Clive. Clive Rosfield. Mais oui, l'autre, il essaie de le changer en réceptacle. Ultima. Allez, viens, prendre ta pété! Même ici, la volonté du réceptacle ne peut pas être annihilée. Quant à Phoenix, son intrusion aurait dû être impossible. Je joue depuis 19h, dromadaire. À moins qu'il n'ait été uni à Mythos dès le début. L'image de Phoenix, gravé dans le cœur de Mythos. Non, jusqu'à quelle heure? S'est matérialisé. Jusqu'à la fin. Par la seule force de sa volonté. Le pouvoir de création.
Est-ce possible? Leurs volontés sont-elles si puissantes? Qu'est-ce que tu peux être bavard? Ferme ta gueule! Bonne nuit, Deck. Non, non, je vous ai retiré les sons pour pas que vous gâchiez ça. Oh, la musique. Nos flammes ne font plus qu'une! Aïe. L'évolution ne peut expliquer cela. Il s'agit d'une anomalie. Et de cette anomalie provient Logos. C'est quoi ça encore? Oh là là, les fondus au blanc, Square Enix se réveille! Oh là là, bah ça y est, c'est le festival du fondu au blanc. Mettez vos lunettes de soleil, les potes. Oh, c'est beau! Merci, Kana. D'une seule flamme. Ah oui, vous le voyez, le trophée. Allez, Clive. Debout. Joshua. Tout va bien, Clive. Tu n'es plus sous son emprise. En revanche... En revanche, mon ref, ça pue la merde, quoi. L'humanité veut donc se transformer en Logos, en un dieu factice. Vous vous éloignez de la voie de l'évolution pour tenter de vous hisser à notre hauteur. Mais nous allons mettre fin à cette impudence. Que comptes-tu faire, au juste? À bord du Provenance, notre pouvoir s'éveille et se révèle. Le tu vas subir un désespoir qui te sera insupportable. Et tu deviendras le réceptacle que nous convoitons. J'ai déjà dit non, je ne suis pas consentant. Tu vas découvrir l'étendue de notre vrai pouvoir. Oh, si tu butes Joshua... Port Gémeaux, ancien dominion du cristal, territoire impérial de Sambrek. Les cristomères ont à présent disparu. Ils ont accompli leur rôle et amassé l'éther du monde. Un si long projet qui touche enfin à sa conclusion comme un sublime requiem. Le temps est venu pour ceux qui dorment de se réveiller. Allez, wake up, les lurkers. Si vous vous apprêtiez à faire dodo, c'est finito. Vers leur provenance. Désolé pour ceux qui voulaient faire dodo. Ultima a dit non. Les dormeurs doivent se réveiller. Ah ok, c'est l'apocalypse quoi. Coucou Articol. Pourquoi le Dominion s'envole? Qu'est-ce qu'il fait?
Tain, depuis tout ce temps, vous avez pas buté tous les éthériques en bas ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Le cristal mère a cédé ! Oh waouh, c'est beau ! Oh bon sang ! Serait-ce de l'éther ? Mais qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire ? Je n'y comprends rien. On a réussi ? Clive ! Joshua ! Jill ! Tout le monde va bien ? Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous raconterai plus tard. Mead ! On lève l'ancre ! Vite ! On s'en va ! Retournez au navire ! Ça me fait tellement plaisir de vous voir en vie. Non, Dion, qu'est-ce que tu fais ? Je m'en occupe. Non, Dion, ça suffit ! Non ! Merci. Putain. Oh non, viens avec nous, je t'en supplie, Bibou. T'es le préféré de tout le monde. Ah bon, c'est un chevalier dragon après, hein. Oh merci, je t'aime! Bravo! Oh, refais jamais ça. C'est la dernière fois que tu fais l'intéressant comme ça. Hein. Giga prouveur de fou! De fou! Je vais péter un câble. Je vais m'en servir tout seul parce que tu es vraiment très fort. Mais oui, il pouvait partir tranquille, mais oui. Oh, on retourne au repère. Oh, ok. Entrer dans le repère de Clive via la map monde. Bah, let's go, hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a vraiment que là qu'on peut aller, quoi. Donc, let's go, hein. Ça va, vous êtes tous solidement accrochés à vos sièges ? Le provenance. Il faut que j'explique ce qui s'est passé à tout le monde. Demandons de l'aide à Otto. Ah ben, mon ref... Yes. Mais moi, je serais pas capable d'expliquer au chat tout ce qui vient de se produire. Otto, est-ce que t'as environ 2 heures devant toi ? Un bon café, un bon plat et des toilettes à proximité, s'il te plaît. Au moins, tu as survécu. J'imagine c'est que la conclusion. Tu as quelque chose à voir avec ce machin qui flotte dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une longue histoire. Est-ce que tu peux rassembler tout le monde ? D'accord. Un moment, je reviens. Ellipse. Et des aspirines, oui. Il y a les deux péquenots qui sont au fond. Je vois que vous êtes tous là. Attendez, je disparais. Hein. Comme vous pouvez vous en douter, c'est Ultima qui a fait apparaître le cristal sombre qui vole dans le ciel. Il l'a appelé le Provenance. Mais la signification de ce nom m'échappe. Du moins pour le moment. Son apparition a détruit Port Gémeaux. Alors quel que soit son nom, c'est une tragédie. Ma patrie ne figurera plus sur aucune carte. Oh, Bibounette. Ce qui m'intrigue, c'est la tour du Dominion. Elle existait déjà du temps des premiers écrits historiques. Bienvenue à Verclockman. Si elle fait partie de ce provenance, alors il était enfoui sous Port Gémeaux depuis des siècles et des siècles. Mais il s'agit d'une supposition qui n'est étayée par aucune source. Rien de plus.
Le Dominion a connu une fin spectaculaire. Mais les autres nations, notamment la Dalmeki, entament une lente agonie. Randella est prise d'assaut. Canver est en flammes. Quant à l'Empire... Nos collaborateurs veulent savoir ce qui se passe. C'est eux qui font le résumé J'ai maintenant. J'ai envoyé les lames de pierre leur dire tout ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose, et certainement pas assez pour les rassurer. De mon côté, j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient des symptômes inquiétants. Ah. J'ai peur que ce ne soit le début d'une épidémie d'éthérisme oh qui non. n'épargnera personne. Oh, on est dans la sauce. Peut-être que ce nouveau cristal mère fonctionne de la même façon que les autres, qu'il capte l'éther environnant. C'est que, à Steinir, j'ai vu de l'éther flotter dans le ciel. Si c'est le cas, cela expliquerait que le fléau empire rapidement depuis que le cristal est là. Ah bah c'est ça. C'est bien ça? Le retour du Covid. Et si le provenance fait remonter l'éther souterrain vers la surface, alors... La concentration en éther au niveau du sol doit être dangereuse. Ah! C'est ce qu'Ultima veut. Créer des éthériques, que ce soit avec un sort ou avec cet épanchement. Oh, quel bâtard. Nous sommes faits comme des rats. Mouilloté. Allons. Lors de notre combat à Steinir, Ultima nous a dit que ses pouvoirs se révéleraient à bord du Provenance. Une chose est claire. Il ne faut pas qu'il devienne encore plus fort. Et pour l'en empêcher, il faut trouver un moyen d'atteindre le cristal. Mais comment tu veux qu'on fasse? Il est dans le ciel. C'est impossible. Même avec un moteur à mitril. Bah, Joshua et moi, on vole, hein. Je crois qu'on a assez discuté. Maintenant qu'on est tous au courant, Dion réfléchissons aussi. Chacun de notre côté. Shiva aussi. On va finir par trouver une solution. Alors restons calmes. Est-ce Tout que je vole, me trompe, Clive? Sauf les gueux. Non. Tu as raison. Vous pouvez disposer. Du vent. Bah, Talgor, le gueux, quoi. Exactement, dromadaire. Ça te concerne aussi, Clive. T'arriveras à rien en ruminant. Crois-moi. Va prendre l'air. Allez. Vous entendez les pastèques, c'est faux! C'est vrai. Oh, cette musique. De la douceur. Joshua semble contrarié. Joshua, scrogneugneux! Allez. Prends ma thune. Bonjour, Clive. Bonjour, Caron. Admirez un peu mes articles. J'adore tes articles. Je vais te prendre 8. Voilà pour vous. 4. Excellent choix. Oui, oh bah tu m'étonnes. Est-ce que c'est tout? Oui. Le paquet est vide? Non, il m'en reste 3. Miam, 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 miam. Clay devrait se taper Dion pour passer à autre chose. Clive. Il est déjà pris, Dion. Tu veux quoi? Oh, fer! Voilà, j'ai terminé le travail. T'as rien terminé du tout, mon ref. Tu continues? Je suis content du résultat. Faut m'apporter les matériaux pour ça. Ah, il me manquait des roses et des sables. Tu vends voilà, des roses des sables, Jacqueline? Attends, Jacqueline, elle en vend, non? Roses des sables. Caron, pas Jacqueline. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Oh, tout ça, c'est sûr, oui. Bien. Puis il n'y a plus de saison. Vous cherchez? Roses des sables. Il m'en faut... Ça coûte combien? Ah, 1500 guilds. Oh là bas. Il m'en faut... J'ai 137 000, hein. Excellent choix. Eh, mais en fait, elle vend... Prudent. Je suis sûr qu'elle vend tout ce que lui, il peut me... Oh l'alerte! Oh, Juju Banana! Attends! Attends, Juju Banana, attends, ferme les yeux, s'il te plaît! Attends, Juju Banana. Attends, faut fermer les yeux. Pardon, j'ai désactivé les alertes parce qu'on était sur un moment tellement. Tellement. Attends, fais.
Faites comme si vous aviez rien vu. J'attends que vous fassiez comme si vous aviez rien vu. Oh, ouais, la forge... Quoi ? Oui, c'est pour faire... Personne n'a rien vu, j'ai rien vu. Hein ? Quoi ? De quoi vous parlez ? Trop bizarre. Il me manque de la soie d'acier maintenant. Bien. OMG, merci Juju Balala. Les 2 ans. 2 ans, incroyable. Merci Juju Banana, merci beaucoup pour les 2 ans de sub. Merci, merci à toi. Merci pour le soutien depuis 24 mois déjà. Merci beaucoup. De vous voir en vie. Merci Juju Banana, c'est trop gentil. Merci à toi. Un peu mes articles. J'espère que tu vas bien, du coup. Soit t'as de la soie d'acier. J'ai pas vu combien il m'en fallait, mais dans le doute, je vais en prendre 688. Coucou Caius, comment ça va ? Coucou à toi. Non, attends, ça coûte un peu rush là. Oh là là, et on est où là ? Non, attends. 200, c'est bien, non ? L'état des poches de Clive, quoi. Excellent choix. Merci. Bon, merci beaucoup, je suis trop gentil. Merci à toi. C'est reparti pour un tour. Tu veux quoi ? Feur toujours, mon ref. Tu m'en diras des nouvelles. T'inquiète, je vais t'en donner des nouvelles, moi, y'a pas de soucis. Météorite ! Putain ! C'est trop chiant ! Caron, je veux des météorites maintenant ! Vous savez, on n'est jamais trop contents. Il en fallait 4 ! Écoutez-vous bien. Mais comme voilà ça ! Ce que j'ai à vous proposer. Comme ça, on n'en manquera pas. Oh, les météorites, ça coûte cher sa mère, par contre, hein. Voilà pour vous. Okay. Est-ce que c'est tout ? Bah, je vais demander à... Je vais demander à Blackthorn si c'est bon pour lui. Tu veux quoi ? Toujours la même chose, mon ref. Toujours fur. Bien, c'est réussi. Vous voyez, de la soie d'acier, il m'en faut encore. Hein. Et des cendres enchantées. Ah bah non, parce que c'est moins bon que ce que j'ai déjà. Pardon, non, je dis de la merde. Je dis nimp. Je dis absolument nimp. Ah bah là, j'ai rien du tout. Oh ! Minerai draconique. T'en as, Jacqueline ? On demande, hein. Contente de vous voir en vie. Et après, on s'en va, hein. On a le monde voilà à sauver. Voilà ce hein. que j'ai à vous proposer. Oh. Il m'en faut environ... Vu que je suis forte en maths, il m'en faut environ... ça, je crois. Voilà pour vous. Environ 354 000. C'est reparti pour un tour. Ouais, elle va croire que je perds la boule. Qu'elle perd la boule. C'est pourquoi ? Moi, je perds clairement la boule. Hein. Ça va te servir, j'en suis sûr. C'est ah, tout ? Bah, une épée, bien. Oui, ça risque de me servir, effectivement. Oui. Optimiser l'équipement, maintenir L3. Aucune pièce n'a été modifiée parce que tout est déjà parfait dans mon équipement. Étant donné que je réutilise Dion, ça c'est Ramu, Dion. Je vais améliorer Dion. Ok. Et j'améliorerai bien aussi... Non, ça je l'ai pas, c'est ça. J'améliorerai bien ça. Shiva aussi. Je vais améliorer... attendez. Phoenix, je peux encore améliorer des trucs parce que Phoenix... Non, je peux plus améliorer ça. Ah, 4200. Ça, j'utilise plus. Je peux pas me le faire rembourser. Ça, je peux me le faire rembourser. Attends, c'est quoi, refait ? Oui. Réinitialiser. Oui. Les améliorations acquises dans l'ascenseur vont être annulées. 120 points de... Oui. Et en fait, je crois que je vais me rembourser des trucs que j'utilise plus. Genre Garuda... J'ai jamais utilisé ça de Garuda, pourtant je l'ai acheté. Je sais plus ce que j'utilisais de Garuda. Voilà, ok.
Ah mais non, mais ça je l'ai de base. Ok, pardon, je sais plus comment ça fonctionne. Ça je l'ai jamais acquis. Je vais réinitialiser ça aussi, Ramu, j'utilise pas, je suis désolée, Ramu. Oh. Bébou titan. J'ai assez, non ? Shiva, attendez, excusez-moi, hein, je suis perdue. C'est lui, hein. Non, attends, je fais n'importe quoi. Non, c'était Phoenix que je voulais améliorer, non ? Oui, 4200. Attends. Réfléchis, Farah. Oui. Ok, c'est bon. Bien Malaki n'utilise jamais, tout à fait. Ok, là je peux difficilement mieux m'optimiser que maintenant. Joshua était patraque, on va aller le voir. Oh, cette image est si belle. Fond d'écran. Fond d'écran numéro 2. Comment améliorer Dion en lui retirant ses vêtements? Dion est déjà parfait. Ultima nous a peut-être créés, mais il n'est pas maître de nos destins. Nous avons toujours vécu libres. Qu'importe nos travers et notre ignorance, nous nous battrons pour garder le droit de vivre. Mais Ultima l'a dit lui-même, s'il veut fonder un nouveau monde, c'est pour assurer sa propre survie. Autrement dit, c'est une lutte existentielle entre l'humanité et les dieux pour savoir qui perdurera. Et quel que soit le vainqueur, on peut s'attendre à un avenir difficile. En tout cas, pour les nôtres. Car s'ils gagnent, l'humanité sera perdue. Et même si nous parvenons à triompher, cette liberté engendrera sans doute de nouvelles chaînes pour nous. Ouais. Peut-être bien. Mais nous avons notre volonté. Notre ténacité nous aidera à briser ces chaînes. Nous en sommes capables. Car même si cela prend du temps, même s'il y a un prix à payer, nous sommes unis. Et c'est tout ce qui compte. Oui. J'en suis convaincu. Vivre en homme libre, comme des gens normaux, c'est ça le monde dont nous avons rêvé. C'est vrai. Nous devons suivre notre voie. D'abord, comment nous y rendre? Je pourrais toujours voler jusque là-bas. C'est loin, et tu dois être épuisé. Et puis nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend là-bas. Tu veux prendre ce risque? Je suis Phoenix. La question ne se pose pas. Eh, mais fais attention à ta santé, toi. Hein. Ne t'en fais pas, j'y arriverai. C'est notre combat. Ne l'oublie pas. Merci The Fakir pour les 19 mois! Merci beaucoup The Fakir, je suis là. Merci beaucoup, merci à toi pour le soutien depuis 19 mois, merci. J'espère que tu vas bien, merci beaucoup. Mais s'il te plaît, sois prudent, d'accord? C'est moi qui vais me battre. Je sais, oui. Attendez une minute. Oh Dion. Votre objectif est de vaincre Ultima ensemble, non? Il a suivi l'histoire, ouais. L'enjeu est capital. Il faut absolument mettre toutes les chances de votre côté. Ifrit, votre frère m'a dit que certains émissaires dont vous avez absorbé les pouvoirs pouvaient encore se transformer. Est-ce exact? En effet. Mais ils perdaient alors complètement le contrôle de leurs primordiaux. Ah oui, bah Amud joue pas à ça, hein. Je vais vous emmener jusqu'aux provenances, pour que vous puissiez économiser vos forces en vue de la bataille à venir. Rien ne vous y oblige. Joshua a raison. Si vous faites cela, ce serait mettre votre vie en jeu. Non, Dion, je t'en supplie, arrête. Je tiendrai. Il le faudra. Ma vie s'est terminée au Dominion. Je ne crains plus la mort. Oui, mais alors nous, par contre... J'ai un compte à régler avec Ultima.
Il doit payer pour ses méfaits. Oui, mais... Mais John... Nous vous remercions. On te veut dans notre monde libre, nous. Cette gratitude me semble prématurée. Nous, on veut que tu prennes l'apéro avec nous quand ce sera fini, Dion. Fond d'écran numéro 4885. 4886. Il parle comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il est prêt à y laisser la vie. Cela dit, rien n'est encore joué. Courage, Clive. Mais personne n'y laisse la vie, sinon. J'espère vraiment qu'elle comprendra. Je propose que personne n'y laisse la vie, sinon. Jill, viens ici. Si vous voulez faire vos adieux, c'est le moment. Ouais, sinon, genre, on revient tous en vie, tu vois. Et t'es où, Jill? Ok. Sinon, on revient tous en vie. Proposition? Tout le monde revient en vie? Et après, on se fait une méga bouffe. Into méga apéro.